Et donc salut tout le monde, c'est Mega Pikachu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte, et oui ça fait longtemps, nous ne sommes pas sur un let's play, mais sur une vidéo découverte. Je vais essayer de faire ça une fois par mois, si je peux me permettre, j'essaierai de faire ça. Une petite découverte sur un fangame Pokémon, et on peut même dire une acrome, parce que il s'agit... Vous avez dû penser que je faisais une découverte sur Pokémon Emerald, mais pas du tout. Nous sommes sur Pokémon Mega Power, une acrome anglaise, américaine, qui a utilisé la ROM de base de Pokémon Emerald pour faire donc ce jeu tout simplement. Mais ce n'est pas Pokémon Emerald, nous sommes sur Pokémon Mega Power. Je vous expliquerai un peu l'histoire du jeu juste après. Je vais passer ça parce que le son du jeu était un peu fort dans mes oreilles, voilà. Donc, petite vidéo découverte, voilà, histoire de, bon, faire une petite vidéo avant la fin de l'année, hein, voilà, tout simplement. J'espère que vous allez bien, pour ma part, et eh bien écoutez, ça va tranquillement, et écoutez, on va commencer de ce pas, tout de suite, donc on va régler juste 2-3 options. On va mettre la vitesse du texte rapide, ça on, le son, on va le mettre en stéréo, voyons, et oh, modifions ça, c'est vrai que je le fais jamais. Très rarement, du coup, oh, j'aime bien le bleu, mais voyons voir. Alors ça, c'est, je suppose que c'est dans les jeux originaux aussi, il n'y a rien qu'à changer au niveau de ça. Bon, on va garder en bleu parce que j'aime bien le bleu, et on va commencer. Professeur, ravi de vous rencontrer. Bienvenue dans la team Delta. Mon nom est Casper. Et je suis un du trio Golden, du trio doré. Et voici ce qu'on appelle un Pokémon. Un petit démolos. On dirait que vous avez accepté notre aide. Bonne décision, je suppose. Nous vous aiderons financièrement dans votre projet, professeur. Comme promis. D'ailleurs, s'il vous plaît, soyez patient et remplissez les chartes, enfin, je suppose que c'est les documents qui va nous passer pour être sûr que nous connaissons bien chacun. Maintenant, commençons avec les informations de base. Merci. Alors, genre, donc, nous sommes un garçon. Alors, j'avais lancé le jeu et vous voyez que entre le garçon et la fille, il n'y a pas beaucoup de différence, j'ai l'impression. Du coup, bon, écoutez, on va quand même être un garçon. Name. Ben on va se mettre Pikachu, tout simplement. Alors, pour ceux qui se demandent, je joue sur émulateur. Je joue sur l'émulateur Visual Boy Advance, qui est un émulateur pour les jeux Game Boy Color et Game Boy Advance. Et donc, voilà, tout simplement. Et on est sur PC, bien entendu. Alors vous demandez, mais qui est cet homme, tout ça, Pikachu ne nous explique pas. Ne vous inquiétez pas, je vous dirai ça quand on sera tranquille, parce que là, on commence très fort, c'est parti. Donc, vous appelez Pikachu, oui. Merci. Professeur Pikachu, maintenant que vous avez fini, s'il vous plaît, return it. Ah oui, donc je devais lui rendre, quoi. Très bien, professeur.
Nous avons arrangé un laboratoire pour vous, on Plantain Path. Est-ce que c'est le nom d'une ville? Je ne sais pas du tout. J'espère que vous l'aimerez. Bonne chance. Et rappelez-vous, nous partagerons l'achievement, la récompense. La récompense, puisque nous vous aidons à poursuivre votre projet, bien entendu. Alors vous dites de quel projet il parle, tout ça. Ah merde. Bon, attendez, avant qu'on continue, je vous explique. Donc, qu'est-ce que Pokémon Mega Power? Alors je vous l'ai dit, c'est une acrome anglophone, pour pas dire de bêtises, je pense qu'elle est américaine, mais bon, voilà. Et donc elle est inspirée de Pokémon Emerald, c'est-à-dire que c'est les graphismes de Pokémon Emerald, enfin quelque peu modifiés, comme vous pouvez le voir. Celui qui a fait le jeu, alors je ne cite pas son pseudo parce que son pseudo est un peu bizarre, à vrai dire, c'est une série de chiffres, enfin j'ai pas très bien compris. De toute manière, vous aurez le lien dans la description du projet. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette version? On a une toute nouvelle histoire et une toute nouvelle région. Alors l'histoire qui est le plus important pour moi, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une vidéo découverte là-dessus, c'est tout simplement, alors on est un jeune professeur, un scientifique brillant, et donc on est devenu un professeur tout simplement, et ce qu'on a voulu faire, c'est de créer le plus puissant des Pokémon, sauf que malheureusement, on n'avait pas vraiment de moyens financiers pour pouvoir créer tout cela, parce que nous sommes sur le fan game du capitalisme, hein, oui, voilà, et du coup, on a ce jeune Casper, qui est un businessman, comme dit dans la description du projet, qui est venu nous proposer son aide pour financer le projet, tout simplement. Et du coup, ben, on n'hésite pas, on accepte tout ça, on se pose pas de questions. Et donc voilà, on accepte son aide pour créer donc le Pokémon le plus puissant. Sauf que, bien, au fur et à mesure du temps, on va apprendre petit à petit que cet homme fait partie, donc, ben, comme on l'a vu en fait au début du jeu, d'une team qui s'appelle la Team Delta. Mais on va se poser des questions sur est-ce qu'on doit poursuivre notre collaboration ou pas, tout ça. C'est un peu douteux, et du coup, on sait pas trop, et en gros, l'histoire c'est ça, quoi. Voilà, on nous lâche comme ça dans le jeu. Et je trouve que quand même c'est plutôt intéressant déjà d'être dans la peau d'un professeur. Alors, généralement les fangames, soit on est dans la peau d'un héros, ce qui est très souvent le cas, soit c'est de plus en plus répandu maintenant dans la peau de quelqu'un qui fait partie de la team, que ce soit la team Rocket, la team tout ça. Voilà, chez les méchants, quoi. Et là, on est dans la peau d'un professeur, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et donc, voilà, je me suis pas trop... Enfin, je me suis pas renseigné plus que ça sur le jeu, parce que je garde la surprise, comme vous le savez, que ce soit pour vous ou pour moi-même. Et donc, voilà, tout simplement, on va pouvoir commencer le jeu. Je réfléchis à si je n'ai pas oublié quelque chose. Si, on est sur la démo version 3.3, donc pour ceux qui regarderaient cette vidéo en 2016 ou plus tard, il y aura peut-être une nouvelle version, je ne sais pas. À l'heure actuelle, le développeur dit que le jeu est fini, enfin, est réalisé à 81%, c'est très précis, voilà. Et donc voilà, vous aurez le lien dans la description. Alors faut savoir que pour installer le jeu, c'est un peu compliqué. Il faut télécharger tout d'abord une ROM, enfin la ROM de base de Pokémon Emerald. Et après, avec le fichier de Pokémon Mega Power, il faut patcher la ROM, enfin, il faut modifier ce fichier pour pouvoir jouer au jeu. C'est un peu compliqué, mais cherchez sur Google parce que c'est votre ami, vous comprendrez. Cherchez comment patch un fichier .ups et vous comprendrez tout cela. Et donc, on va pouvoir commencer. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, je l'ai finalement fait. Je sais que je n'aurais peut-être pas dû le faire, mais bon. Alors, qui est cette personne? Ed Tira. Ah oui, d'accord. Donc, si on avait incarné la fille, je pense qu'on aurait joué ce personnage. Professeur. Comme votre aide, en tant que votre aide, enfin votre assistante, je serai toujours de votre côté, toujours à vos côtés. Mais je ne comprends, je ne peux pas comprendre. Pourquoi vous avez décidé de continuer à travailler avec cette personne un peu méchante, un peu bizarre, même si vous savez qu'il pourrait abuser, qu'il pourrait profiter, je pense,
de ce projet une fois que je l'aurai fini. Parce que vu qu'ils font partie de la Team Delta, je suppose qu'ils pourraient s'approprier le projet, vu que c'est, on cherche à créer le Pokémon le plus puissant, je rappelle. Oui, effectivement, ça peut être quelque chose d'un peu dangereux. Tira, je ne sais pas vraiment comment vous dire ça. Comment vous dire de ce que je pense. En tant que scientifique, la recherche, c'est un peu ma vie. Mais nous n'avons plus d'argent. Et si nous n'essayons pas d'en trouver, si nous n'essayons pas de trouver des solutions pour avoir assez de monnaie, nous ne pourrons pas poursuivre le projet. Et donc, voilà quoi. C'est pour ça, je sais que c'est une erreur de travailler avec la Team Delta, mais je n'ai pas d'autre solution pour que nos projets soient réalisés, quoi. Bien, professeur, je ne comprends toujours pas. Mais comme je vous l'ai dit, je travaillerai toujours pour vous, fidèlement, je suppose. Ouais, en gros, elle sera toujours à nos côtés. Venez avec moi, nous avons un problème. Ah, que se passe-t-il? Par contre, il n'y a pas de musique, c'est un peu dérangeant. Ah, voilà. Que se passe-t-il? Quoi? Ah, d'accord, fallait bouger. Bon. Par ici, professeur. Oh, elle a changé de cheveux, elle a changé de coupe de cheveux. Ah, cheateuse! Professeur, cette fille a essayé de s'introduire dans notre laboratoire hier. Mais heureusement, les gardes l'ont détectée et l'ont arrêtée. Maintenant, professeur, que devons-nous faire? Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous essayé de vous introduire dans notre laboratoire? Partez! Je vous aurais défoncé si j'avais eu mon Pokémon avec moi. Mais ne savez-vous pas, vous ne savez pas que cet endroit appartient à la Team Delta et personne n'est autorisé à entrer sans permission? Je le sais, c'est pour ça que je suis venu. Je suis juste ici pour tous vous détruire. Oula. Oups, ça c'est une insulte. Ou alors une insulte gentille. Alors, j'ai toujours le traducteur, comme pour FLR Gates. Je vais voir tout ça. Donc en gros, elle nous dit espèce de. Et qu'est-ce que Crooks? C'est drôle comme musique. Alors, Crook. Oui, vous êtes des espèces d'escrocs. D'accord. Professeur, elle connaît notre projet. Que devons-nous faire maintenant? Je ne sais pas. Elle a l'air de se prendre pour un héros, quoi. Bon, elle a l'air un peu, comment dire, bornée. Je ne sais même pas quoi faire pour mettre fin à tout ça. Eh bien, juste oublions-la, quoi. Et finissons notre projet aussi vite que possible. Ensuite, nous la relâcherons, je suppose. Release. Non. Non, j'ai encore fermé mon traducteur. Oh là là, MacPika, il n'est pas doué aujourd'hui. Alors, vous inquiétez pas, les amis. Et je me débrouille quand même pas mal. Hein. Alors, bon. J'essaie de faire de mon mieux, hein, vous savez. Alors, après, Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu aussi. Et donc c'est libéré, j'avais raison. Je ne veux pas qu'elle s'infiltre encore dans nos projets, dans notre projet. Ne vous inquiétez pas, Tira. Tout va bien. Nous ferions mieux de retourner travailler maintenant. Dites aux gardes de s'occuper d'elle jusqu'à ce que nous ayons fini. Oui, professeur. Je ferais mieux de retourner travailler, moi aussi. Donc, alors, maintenant qu'on peut bouger tranquillement, je peux vous parler. Donc, si je choisis ce jeu aussi, c'est parce que j'en ai trouvé plein d'autres, à vrai dire. Mais soit les jeux étaient un peu bizarres, j'en ai trouvé un qui est extrêmement bizarre. Je ne sais même pas si j'ai le droit d'avoir le jeu sur moi, parce que sur le site officiel, il n'y a aucun lien de téléchargement. Je ne sais pas le nom du jeu. Et je trouve qu'il est un peu étrange pour un jeu Pokémon, c'est pour ça que j'ai pas voulu filmer dessus. Et après, il y a bien d'autres fangames, dont des fangames françaises. J'en avais trouvé une qui était hyper bien, mais il y en a d'autres personnes qui sont jetées dessus. Je cherche pas à être le premier, mais j'aime bien vous proposer un peu d'inédit. Et si jamais je n'en trouve pas, eh bien, je choisirai des fangames que d'autres personnes auront faites.
en dernier recours. Et donc Pokémon Mega Power, je n'ai pas trouvé de français, ou j'ai peut-être pas bien cherché non plus, qui ont fait de vidéos dessus. Il y a beaucoup d'anglais qui ont fait des vidéos, comme le fameux Sacred, qui est un gros youtubeur sur les fangames Pokémon, et anglophone bien entendu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire, parce que c'est plutôt sympa et que j'avais envie de faire une vidéo découverte. Bon, on va peut-être pouvoir s'aventurer maintenant. Moi, comme vous pouvez voir, je suis le garde, on duty, c'est genre je suis à l'appel, je bosse quoi. Professeur, poursuivez vos recherches. Je m'en occupe. Je m'occupe de tout, de la sécurité quoi. Non. Non, je ne pense pas que ce n'est pas le moment d'entrer pour moi. Putain, mais je peux pas lui parler, je voulais juste aller à gauche pour lui parler. Laissez-moi. Je ne veux pas voir votre visage, votre horrible visage. Mon dieu, mais elle a un problème contre nous, je ne sais pas quoi. Mais en même temps, on collabore avec la team Delta, donc je la comprends tout à fait. Hein. Je sais pas pourquoi on a fait ça, n'empêche. Là, je kiffe le design de notre héros, on a les cheveux violets, rien que ça, ça me plaît. Tiens, par ailleurs aussi, je n'ai pas mis de layout pour cette vidéo parce que je trouve ça un peu compliqué. On n'a pas vraiment d'image officielle du jeu, on n'a même pas de logo à vrai dire. Donc j'ai mis ça en plein écran, j'espère que ça vous dérangera pas trop, que ce sera pas trop, enfin si ce sera pixelisé, mais c'est normal, vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout simplement pour vous le dire, parce que je trouvais ça plus joli que vous proposer un truc tout petit et pas très beau quoi. Ah. Par contre il y a un petit défaut aussi, on est obligé d'avancer d'un pas pour enclencher la suite du scénario, c'est pas très grave, mais bon. Professeur, j'ai reçu un appel de Casper. Un des membres du trio Golden. Alors du trio Golden, ça voudrait dire le trio doré en français, mais je préfère dire trio Golden, c'est plus classe. De la team Delta. Il a dit qu'il voulait savoir où nous en étions dans la progression du projet, et qu'il nous attendait à la ville de Fescue City, c'est un peu compliqué à prononcer. Fescue. Pourquoi je veux dire Fescue? Non, c'est Fescue. Ça sera un long voyage, professeur, donc vous aurez besoin de ceci. Donc le Pokédex. Je veux pas dire, mais on est un professeur, on est censé l'avoir développé ce truc. On devrait l'avoir automatiquement sur ce, mais bon. Professeur, c'est le Pokédex de Divara. Je suppose que c'est le nom de la région. Vous avez développé le système, vous en rappelez? Bah bien sûr, je suis professeur quand même. Et bien sûr, professeur. Vous devez avoir votre Pokémon, bien entendu. Alors, on doit choisir un Pokémon. Alors, faut savoir que dans ce jeu, il y aura tous les Pokémon de la 3, 4, 5 et 6ème génération, si je me trompe pas. 6ème génération, c'est sûr. Et après, je ne sais pas, il y a toutes les méga évolutions. Et voilà. Alors, le jeu n'est pas fini à 100%, comme je vous l'ai dit, donc peut-être qu'il y a des trucs qui manquent. Et donc voilà, alors ça, c'est les noms anglais de Pokémon que je ne me rappelle vraiment pas. Et donc, les amis, excusez-moi, je cherchais la signification de tous les Pokémon en anglais parce que, à vrai dire, je ne connais pas. Donc le premier, c'est lui, je l'ai oublié. lui, c'est Flamajou, Feuillajou, Flotajou, et ça, c'est Psystigri. Le premier, c'est un Chinchi, j'ai plus la fin. Chinchidou, c'est ça? Oui, c'est Chinchidou, voilà. Donc, moi j'ai toujours été fan des Pokémon type feu, mais n'ayant pas joué à la 6ème génération, j'hésite à prendre le dernier. Allez, on va prendre le dernier pour le fun. Donc, c'est un Psystigri. Professeur, est-ce que vous savez où se trouve la ville de Fescue? Oh, c'est juste en bas d'ici, c'est juste la ville au sud. Ce n'est pas si loin. Faites attention, nous poursuivons votre projet. Nous poursuivons. Quand vous serez parti. Oui, d'accord. Donc en fait, je dois leur faire super confiance. Hein. Je note quand même qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, mais je sais pas qui. Hein. Pour être honnête, professeur, je déteste travailler avec la team Delta. Mais c'est votre décision. Ça y est. Ça, ça veut dire quoi? Je peux pas courir, ça m'énerve. Alors, je peux accélérer, mais c'est pas terrible. Accélérer parce qu'on est sur émulateur. Je précise. Attends, je vais charger cette signification de ça, parce que...
Le coup, enfin. C'est un soupir, d'accord. Ouais, c'est le soupir, quoi, ouais, ok. Professeur, en tant qu'assistant, je travaillerai toujours. Ok. Donc en fait, on a des assistants qui sont super fidèles à nous. Ok, ça c'est un PC un peu. Mais on peut pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je suppose qu'il faut continuer par là. Écoute, on va explorer. Oula, qui sont ces gens? Attendez, on peut... est-ce que je peux voir ma team? Oui, je peux voir. Alors, le Pokédex. Alors, Esper. Très pixelisé. On a même les cris et tout, c'est super cool. On peut voir la taille. Ouais. Eh, c'est bien fait. C'est super bien fait. Ok. Hop. Alors, les Pokémon. Alors, je voudrais voir les attaques et tout qu'il a. Donc, il est niveau 5. Il est timide. Alors, il a griffe. Que vête, c'est quoi? Ah, d'accord. Donc là, je sais plus comment ça. Ça doit être ramassage, en tout cas. Genre, ça prend l'objet que tient l'ennemi. Et lire, ça, c'est mimiqueux, je suppose. Ok. Ok, c'est cool. Enfin, un truc qui baisse la défense. Peut-être pas mimiqueux, mais... C'est qui, eux? Salut, professeur. Comment vont les expériences, oui? Est-ce que vous avez fini ça? Eh, hey, peu importe. Nous ne devons rien savoir sur ça. Quoi? Comment ça? Ravi de voir que plus de gens arrivent. Nous faisons notre mieux pour cacher ce laboratoire. Nous avons même construit ici. Nous avons même construit le labo dans les profondeurs d'une cave. Attends, j'ai pas suivi. J'espère que personne d'autre ne trouvera cet endroit. Enfin, que personne trouve cet endroit. Moi, je sais pas. En tout cas, c'est des mecs un peu bizarres. Alors, j'ai pas mis de timer non plus, donc je sais pas combien de minutes on est. Ça, par contre, c'est... Non, je veux retourner voir. Je veux pas... Ah non, donc on est dans une sorte de carrière, je suppose. Qu'est-ce qu'il y avait par ici? Hop. Salut. C'est... comment ça s'appelle? La chambre. Notre chambre, professeur. Si vous et vos Pokémon vous sentez fatigué, vous pouvez vous reposer ici. Ok, c'est cool. Bonjour. Donc nous avons beaucoup de lits ici, professeur. Choisissez celui que vous préférez. C'est juste l'endroit où tout le monde se repose. Donc peu importe, il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit avec notre nom, quoi. Quelqu'un ici pourra vous aider, pourra vous donner des objets très utiles, professeur. Faites en sorte de parler avec tout le monde. Oui, c'est pour ça qu'au fangame, il faut parler avec tout le monde, je vous dis, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent être utiles. Je sais, professeur. Vous êtes sur le point de quitter pour la ville de Fescue. Vous aurez besoin de ceci. Donc des Pokéballs, comme quoi, c'est en plus des objets super utiles. Ok. Utilisez-le pour capturer des Pokémon sauvages. Cependant, vous ne pouvez pas capturer les Pokémon des dresseurs. Rappelez-vous, nous avons de la dignité. La team d'État a de plus grandes ambitions au lieu d'être des voleurs. Oui, bien entendu. Professeur, je ne souhaite pas faire ceci pour la team d'État, vraiment. Je ne sais même pas ce qui arrivera quand une fois que vous aurez fini donc de faire le projet. Ah, écoute, petit, tu sais. On se battra, on donnera tout pour vous défoncer. Voilà, bref. Professeur, si vos Pokémon sont mis KO et qu'il n'y a pas de centre Pokémon, il y a un problème de police à proximité. Vous aurez besoin d'une potion, donc voici pour vous. Donc on obtient une potion. Hop. Donc ça peut soigner les Pokémon, ça peut pas soigner les points pouvoir. Donc les centres Pokémon sont toujours le meilleur endroit. Oui, donc les centres Pokémon ne refuseront. Okay. Ça nous explique un peu comment marche Pokémon pour ceux qui ne connaîtraient pas vraiment. Mais on sait déjà tout, on connaît Pokémon par cœur. Et oui. Donc on sort de là. Alors moi ce que je voudrais juste avant de partir, oui je sais, je papillonne, mais l'endroit où je pouvais pas aller, est-ce que je ne peux toujours pas y aller ou pas?
C'est la question. Parce que le laboratoire est quand même vachement cool, je trouve. Hop, salut. Ok, toujours le même truc. Je peux pas y aller? Non, d'accord. D'accord. On saura jamais ce qu'il y a là pour l'instant. Peut-être qu'on le saura plus tard. Je ne sais pas jusqu'où on va aller dans le jeu, les amis. On va essayer d'aller le plus loin possible, sans pour autant vous spoiler toute l'aventure. Mais ce jeu, ça s'annonce être intéressant. Donc, Plantain Cave. Ok. Je pense que c'est une sorte de... Ah, une Pokéball. Est-ce qu'il y a des Pokémon sauvages ici? Je ne sais pas du tout. Une Super Ball. Yeah. Ok. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Parce que j'aime bien sauvegarder. Hop. Hop, ça c'est fait. On sort. Hop, donc Plantain Path. Donc Plantain Path, ça doit être... ça doit être soit une forêt, enfin pas Path, mais... attendez, je vais chercher ça. C'est un sentier. D'accord. Bon. Là on a des hautes herbes. On va voir les Pokémon qu'il y a. Chacrippant. Alors on a aussi des... comment ça s'appelle? Alors c'est pixelisé les amis, c'est normal, c'est un peu le style du jeu, être pixelisé comme ça. Puis aussi, vu que vous avez le jeu en plein d'écran, forcément c'est un peu pixelisé en effet. Donc on va lui faire... on va lui faire griffe. Par contre, je voudrais pas que... Ouais, non, je vais fuir. On va affronter que les dresseurs. Alors je ne sais pas par où. Oh là. Alors toi par contre. Alors ils ont dit que c'était juste au sud. Est-ce qu'on a une carte? Je me demande si on a une carte. Ah, on n'a pas de carte. Ah, ça m'embête. Par contre si je voudrais voir ça. La carte dresseur. Ok. Non. Très bien. Alors ça on peut pas le couper. Ok, donc c'est pas par là, je suppose. Non, c'est pas par là. Ok, donc c'était bien par là où j'allais, là où il y avait le petit dresseur qui nous attend pour nous défier. Écoute, on va essayer d'avancer, je vais peut-être pas essayer d'affronter tout le monde. Si ce n'est les Pokémon sauvages qui viennent m'embêter. Il doit être une dizaine de minutes d'épisode, je vais essayer d'avancer un peu les amis. Sans vous proposer quand même... quelque chose de sympathique. Putain, faut que j'aille au nord, j'ai raté un truc. Et c'est ce qui fait que le scénario est super original. Tu as l'air d'être un dresseur. Tu sais, en tant que dresseur, c'est important de combattre. Bien sûr. Allez, Tiana. Hein, comment s'appelle ce Pokémon de la 4G là? Oh, j'ai plus son nom. Oh, je suis navré. Ah, étourmi, voilà, étourmi. Pour l'instant, ça va. Il m'envoie pas des Pokémon de la 6G. Donc, voilà, ça me va. Par contre, c'est pas cool, là, ce qu'il m'a fait. Mais c'est ça, ça fait des dégâts. Ah ouais. C'est charme, alors, je suppose. Ouf, je sais pas, mais c'est bizarre, ça lui fait des dégâts, donc ça peut pas être charme. Tac, allez, continue. Ouais. Très bien. Bien joué, Esper. On va l'appeler Esper. C'est plus joli. Que Psy Stingray. Alors lui, je ne sais pas du tout. Ah, on aura peut-être besoin d'une potion. Ah, ça a l'air un peu compliqué comme début de jeu quand même. Hop, on utilise ça. C'est qu'on peut pas switch vu qu'il m'a baissé mon attaque, c'est pas cool. Ça baisse la défense, je crois. Allez, on tente. Ah putain, mais ils font exprès en plus. Ah non, c'est gros yeux, autant pour moi. Hop, on refait ça et après on va l'attaquer. Hop, en plus il est plus rapide donc c'est pas cool. Ah, je vais mourir, les amis. Oh, je vais mourir. Je fais aucun dégât. Mon dieu. Ce jeu. Un coup critique ou pas? Non.
Je vais avoir quelques soucis, les amis. Au pire, je vous ferai une ellipse. Ils vont pas mettre KO dès le début, quand même. Attends. Mais c'est un peu cheaté de me faire rugissement tout le temps. En plus, je déteste ce son là quand on a plus de vie. Allez, tac, là, là, charge, et je suis KO. Et voilà, je suis out. Bon, bah du coup, je vais respawn, je suppose, dans. Ah bah non. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, les amis, on n'aura pas fait une partie de la forêt qui se trouve au nord, je suppose, c'est ça? Attendez, je vais aller voir. Ouais, c'est au nord. Attendez, quoi? Attendez, il y a eu un problème avec le panneau, là. Oui, parce que c'est dit, c'est en bas, c'est pas... Hein, c'est pas en haut. Attendez, je regarde juste à quel endroit c'était. Je remonte, hein. Après, on poursuit l'aventure, vous inquiétez pas. Juste, c'est bizarre, quand même, que... Ah, oui, d'accord. Bon, ça devait être... On devait peut-être pas arriver par là, mais... Soit. Je suppose que c'est un petit bug. Bon, c'est pas méchant. C'est pas une dresseur. Tu approches de la ville de Fescu, juste au sud. Tu verras. Merci, petite fille. Laissez passer le professeur. En fait, je crois pas avoir donné aussi de poké de l'art. En même temps, on a trop de swag pour en donner. Fescu City, là où les voyageurs se sentent comme chez eux. Moi aussi, je veux un persian. Juste comme le champion d'arène. C'est vraiment un homme d'or, oui. Persian, c'est la signature, enfin c'est le Pokémon signature de la ville, Pokémon fétiche. Oui, ok. Ok, en tout cas la ville est super sympa. On va voir les centres Pokémon à quoi ils ressemblent. Ils sont sympas. Hey, toi, le jeune. Tu as l'air d'être un génie. Je dois dire... Quelle est ton ambition? Être un scientifique? Je le suis déjà. Quoi? Quoi? Tu es déjà un scientifique? Impossible. Tu es juste... Tu es jeune? Je dois dire... C'est choquant. C'est pas choquant. Toi, ce qui est choquant, par contre, c'est que t'as l'air plutôt jeune, mais... Tu commences déjà à perdre des cheveux, hein. Bref. Ses yeux... Ils sont... Sharp. Sharp. Et la vue est... j'ai un regard froid. Elle parle de qui d'ailleurs? Sharp, ça veut dire quoi sharp? Tranchant. Mais vif, regard vif. Les yeux vifs, oui. Je me rappelle un jeune dresseur avec des cheveux gris. Il était dans... Short Cape, Data, oui, bon, Riding, oui. Bon, bref, on va continuer un peu. Mais laisse-moi te parler. Il y a 6 ans, une méchante team appelée les Travailleurs Sombres, Dark Walkers. D'accord, on ravageait, je suppose, à la région d'Ivara. Un jeune héros est apparu et les a défoncés, quoi. J'ai entendu dire que ces gars-là se sont échappés vers Tyron. Et ont été arrêtés là-bas. Ravi de voir qu'Ivara est redevenu calme, paisible. Oui, très bien. Donc c'est toi qui as soigné Pokémon. C'est gentil. Bon, je pense qu'ils sont soignés, donc ça va. Ça, c'est la boutique aussi. Ouais, ok, donc il y a boutique et... comment ça s'appelle? Et centre Pokémon dans le même bâtiment, donc c'est cool. Peut-être acheter des potions du coup. Ah, j'ai plus d'argent. Si, j'ai donné la moitié de mon argent, alors ça veut dire... Merde. Bon, très bien. Non, bah très bien. Allez, à plus tard. Lui, sert la même chose. Dans les Ultra Balls. Ah, ça c'est corps sorti. Des repousses. Une poupée Pokémon. Ok, ok, que des trucs pas très utiles. Par exemple, une hyperbole à ce niveau, bon. La chance soit super. Ah, on a une carte ici. On peut l'utiliser ou pas? Voilà. Ah, c'est cool. Donc, Ivara, on est ici. On a toujours le même icône que le petit monsieur de Owen. Alors, face à paf.
Attendez, non, plein de temps. On arrive de d'ici. Alors non, on arrive de... Alors je suppose qu'on arrive de... Non, pas là, d'ici. Là, là où il y a le carré. On est descendu et on est allé donc dans cette ville de Fescue City. Et je pense que oui, on va faire quelque chose, quelques trucs ici. Bon, on va essayer de trouver déjà le petit monsieur. On va parler à tout le monde hein, aussi. À la région d'Ivara, les centres Pokémon contiennent également la boutique. J'ai entendu dire que les boutiques Pokémon sont séparées des centres Pokémon dans certaines régions. Et oui, tu as raison. Toi. La région d'Ivara est paisible. J'aime ce genre de vie. À mon avis, tout le monde aimerait vivre une vie paisible, calme, tout ça. Le bonheur existe toujours la paix, oui, tout ça. Mais tu sais, je suis un putain de connard qui collabore avec la Team Delta. Est-ce que tu es au courant? Non? Bah, tant mieux. Allez. Alors, on va essayer de trouver le monsieur. Je vais peut-être pas viser tous les bâtiments pour vous laisser la surprise si jamais vous jouez au jeu. Puisque tu es venu dans cette ville, pourquoi ne pas rester et... Ah bien... vu ton apparence, tu ne dois pas avoir le temps de te reposer, hein? Ah, quelle grande personne tu es. Oui, je suis un génie, c'est bon, on a compris. Bon, moi je cherche juste le monsieur. Dans quel bâtiment il peut être à votre avis? Est-ce qu'ils se ressemblent tous, hein? Ah, non, très bien. Ah, il y a une arène. Hey, est-ce que tu es un voyageur? Je ne t'ai jamais vu auparavant. Ouais, en fait je cherche juste un... Ah, il y a des gens ici. Il y a le champion. Le leader est toujours... Attends, quoi? Le leader est toujours parti. For Game Corner. Ah, pour le Game Corner, ouais, d'accord. Dans la ville de Spirulina. Ah non, donc l'arène, oui. Donc, pardon, je parlais d'arène. Donc l'arène est toujours fermée. Et donc toi, tu es qui? T'es juste le mec qui garde l'entrée? Eh bien, que dire? Le champion d'arène est parti. Encore. Je me sens fatigué et je... le moment me manque vraiment. Le moment me manque vraiment quand j'avais des vacances dans la région de Kalos. Ah là là. Tu me présenteras Kalos? Ouh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Écoutez, on va leur parler. Je vous laisse la surprise de découvrir tous les bâtiments parce qu'il doit y avoir des gens fabuleux à l'intérieur. Et notamment des trucs vraiment cool quoi. Ah, j'ai vraiment envie de tout visiter, mais bon, je rappelle que c'est juste une découverte. Et peut-être que si j'ai besoin de faire un let's play, peut-être que je ferai un let's play dessus. N'oubliez pas de me laisser vos avis dans les commentaires. Hein. Tout ça m'aide à progresser. Donc là, c'est Casper. Donc vous voyez aussi qu'on a la fenêtre du personnage avec son visage et tout, c'est super cool. Klaus, tu penses vraiment qu'on devrait... pas s'intéresser à ça? Non, pas comme un businessman. I'm not like... Non, pas comme toi, businessman. Je suis un gambler. Gambler, qu'est-ce qu'un gambler? Gambler, c'est un joueur. Un joueur de casino, un truc dans le genre. J'ai juste besoin de m'intéresser, de m'occuper de ce qui se passe on the tables, sur les tables. Table de jeu, peut-être? Mais toi, Casper, tu es un businessman très intelligent. Tu as même organisé Team Delta et employé ce jeune scientifique appelé Pikachu. Oui, c'est ce jeune professeur. C'est le nom de ce jeune professeur. Tu as fait toutes ces choses pour ton business. C'est pour ça que nous sommes différents. Je comprends, Klaus. Nous deux... Nous faisons tout... Ah oui, alors en gros, tous les deux c'est des mecs qui aiment l'argent, vu que lui il est businessman et l'autre c'est un joueur de casino. Mais toi tu gagnes de l'argent par la chance. Gagner de l'argent c'est ce que je dois faire parce que c'est mon job quoi, mon travail, mon boulot. Et Klaus, je sais ce que tu veux dire.
mais je n'ai pas le temps de t'écouter. Le Game Corner de Spirulina City, le Game Corner, ça doit être... Enfin, je vois ce que c'est, mais pas trop non plus, à vrai dire. Je voudrais juste regarder vite fait, pour pas que je dise de conneries. Oui, le Game Corner, c'est le casino, quoi. C'est... Ouais, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ce que je dis. Ok, bien ce que je pensais. Le casino de la ville de Spirulina est ouvert maintenant. Donc s'il te plaît, laisse-moi partir. J'aimerais aller jouer quoi au casino si je pour voir si je suis toujours aussi chanceux que je l'ai été hier. Ok, au revoir. Bien, je pensais qu'il aurait pu être un bon partenaire pour moi. Ah. Laissons tomber, je n'ai rien dit. Mon plan est parfait. Oh, ravi de te revoir, professeur. Dis-moi, comment avance le projet ? Oh, ça avance bien, je vois. Professeur, nous sommes des partenaires parfaits, je pense. Vous êtes un bon scientifique, et je suis un bon cerveau. Un intelligent cerveau, oui, un cerveau intelligent plutôt. Vous savez comment travailler... travailler sur ce projet. Je suis un businessman et j'ai tellement d'argent que je sais comment faire avancer le projet. Une fois que nous aurons eu le succès, tous les deux, nous gagnerons, nous aurons un bénéfice, nous gagnerons beaucoup de cette coopération. Professeur Pikachu, je vous supporterai toujours. Alors, je serai toujours à vos côtés. Voici, je vous donne 1000 Poké-Dollars pour vous. Je sais, ce n'est pas beaucoup pour le projet, je contribuerai 100 millions de Poké-Dollars pour le... Mais, ah non, non, mais j'ai financé 100 millions de dollars pour ce laboratoire secret. L'argent que je vous ai donné n'est rien comparé à ce que j'ai pu vous donner. Plutôt, enfin avant. Mais l'argent que je vous ai donné est toujours utile. Peut toujours être utile. C'est pour que vous puissiez entraîner vos Pokémon. Enfin, ton Pokémon. Je suppose qu'il parle du Pokémon du projet. Oui, je sais. Une fille a attaqué votre laboratoire. Donc, nous devons faire quelque chose pour nous défendre, nous-mêmes. Entraîner les Pokémon peut toujours être... Une bonne façon de faire, un bon moyen. Bref, pas le temps de parler, professeur. Poursuivez vos efforts, je suppose. Je dois retourner pour le meeting, pour la réunion des membres de la Team Delta. Vous savez, nous organisons toujours de cette façon. Enfin, en gros, ils font toujours des réunions. Farewell. Quel est ce terme? Je le connais, hein, parce que je l'ai vu. Mais... Farewell. Ah, c'est adieu, je crois. Adieu. Oui. C'est au revoir. Ok. Et c'est tout? C'est tout ce qu'il me dit. D'accord, sans plus. Et je dois faire quoi? C'est pour entraîner Pokémon. Et donc, je suppose que la suite de l'aventure... C'est partir donc vers là. Attendez, je vais retourner au centre Pokémon parce que attendez, il y a forcément un truc. Je voudrais juste voir la carte hein, de la région. Hop. Donc Fescue City, c'est où le... Non, c'est pas par là. C'est où? Terra Cave. Alors, je vous spoil un peu le nom des régions, c'est vrai. Ah, la Ligue est déjà ici. Ouh là 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 là. En tout cas, ça a l'air d'être un gros jeu. Je cherche l'endroit où il y a le casino. Par contre, ça va un peu vite, la sensibilité du machin. Ah. Plus, je sais même plus. Cosmos Village.
sais même plus le nom. Ah, c'est là, Spiruina City. Donc je suppose qu'il faut aller ici. Bon, enfin, attendez, là, le gros point. Bon, maintenant, on peut pas faire cadrer exactement dessus. Donc faudrait peut-être passer par la ville ici à gauche, à Sorrel Village. Et donc arriver ici pour voir, je suppose, le premier badge, parce que le champion n'est pas dans la ville, comme vous avez pu le voir, enfin on a pu le voir. Et donc c'est plutôt cool. Et bien écoutez les amis, je trouve ça super cool comme jeu. Le scénario est bien foutu pour l'instant. Il n'est pas trop compliqué en plus, parce que autant FLR Gate, c'est certains termes anglais que j'ai du mal à traduire parfois, autant là, ça n'a pas l'air super compliqué, j'arrive à me débrouiller. Si vous avez un niveau relativement correct en anglais, je pense que vous pouvez vous débrouiller, et c'est plutôt cool, et donc voilà. Et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Je ne sais pas combien de minutes nous sommes, en tout cas on doit être à 30, peut-être 40 minutes, je ne sais pas, et je ne souhaite pas poursuivre pour pas faire une vidéo trop longue, mais en tout cas voilà. Donc je rappelle, ce jeu s'appelle Pokémon Mega Power, Acrom, basé sur la ROM de Pokémon Emerald. Donc vous aurez tous les liens dans la description, enfin il y en aura un seul en fait, tout simplement. Voilà, je réfléchis si j'ai pas oublié quelque chose. De toute manière, si jamais j'ai oublié quelque chose, le lien qui est dans la description, ça vous mènera vers le lien du jeu à télécharger, mais également vers la description de tout le scénario. Ça vous aurez quelques screenshots et également une liste des trucs qu'il y a dans le jeu et qui sont différents de la version de base, donc, de Pokémon, de quoi, enfin. Ah, faut que j'apprenne à parler aussi. Une liste des choses qui sont différentes de la version Emerald. Et donc c'est plutôt cool. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on n'a pas pu faire la forêt au nord. Je vais essayer de remonter un peu pour voir. Écoutez. Voir ce qu'il y a. Parce que c'est drôle quand même qu'on... Ah, là il y a un dresseur. Alors est-ce que c'est toujours des chakripans? Voilà, ça a l'air d'être que des chakripans dans cette forêt, malheureusement. Bon, et bien si on voulait un Pokémon différent, et bah c'est un peu raté. Hop, c'est un dresseur lui? Ah oui. Bon, très bien. Ok, bon, écoutez, c'était pour voir les battle back. Vous savez, les fonds de combat, bon là c'est en forêt, donc c'est comme ça. Bon, il n'y a qu'un Pokémon, on va peut-être essayer de le faire. La difficulté du jeu a l'air vraiment réelle aussi, parce que bon, niveau 6 déjà, et ils me font plus mal qu'autre chose. Et je meurs, la preuve. Je pense que j'aurais dû. Je pense que si jamais je fais un let's play le jeu, je recommencerai pour changer de starter. Parce que bon. Un type psy contre un type ténèbre, c'est pas terrible. Mais bon, on est en train de se ruiner. Est-ce qu'on peut voir notre argent? Oui, on est à 950. On a plus d'argent, les amis. Ouais, c'est génial. Voilà, voilà, les amis. Bah écoutez, on pourra pas explorer donc cette petite forêt, enfin ce sentier, qui est, ça s'appelle un sentier. Et donc bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Est-ce qu'il n'y a pas un joli point de vue? Oh, cette maison, cet endroit est très joli. Un endroit où il y a la place, la statue. C'est cool comme endroit là. Non, on est pas mal là, moi j'aime bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sachez que ça m'aide à progresser. Et j'adore lire vos commentaires aussi, j'en ai pas beaucoup, mais et dès que j'en ai un, ça me fait super plaisir d'en voir, parce que je me dis que finalement je fais pas des vidéos pour rien, parce que les gens réagissent et c'est cool, vous pouvez pas savoir à quel point c'est cool. Voilà, voilà. Et donc sur ce les amis, je vous dis à bientôt et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur Pokémon Prism et Pokémon Ethereal Gates et peut-être d'autres découvertes, je ne sais pas. Voilà. Et aussi, si vous avez des idées de fangame ou Acrom Pokémon, bien entendu, donnez-les moi dans les commentaires. Je regarde tous les commentaires, donc voilà, vous inquiétez, donnez-les moi parce que j'ai du mal à en trouver en ce moment. Ce jeu, c'est un peu. Comment dire, le miracle, j'ai envie de dire. Et je suis pas déçu, franchement je suis pas déçu de ce jeu. Si je devais donner un avis, c'est un jeu qui est très prometteur, hein, puisqu'il y a un bon scénario, et voilà, franchement n'hésitez pas, jouez-y, c'est super, voilà. Voilà, et sur ce les amis, je vais arrêter de parler, et on se dit à la prochaine, ciao ciao, bye bye.